La nuit plaque des rectangles noirs aux vitres de la piscine. Face au bassin se tient François, très droit, immobile, pieds nus écartés sur le carrelage froid, dans l'odeur du chlore et le fracas d'un plongeon. Il contemple les tremblements des plafonniers à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous, et l'écho d'archaïques métamorphoses résonne en chacun de ses muscles, de ses os, en injonctions contradictoires. Moi, j'écris autour du corps, en fait. Enfin, j'ai l'impression que tout ça est très naturel. C'est-à-dire que mes personnages ont principalement un corps. Ce qui leur arrive, les traverse charnellement. Et c'est leur perception du réel par ce corps-là qui m'intéresse. C'est comment ça les transforme et comment, en retour, ils transforment le réel. Là, ça paraît très abstrait, mais enfin bon, voilà, je raconte des histoires de femmes qui avortent quand c'était interdit. Je raconte une histoire d'un homme qui retrouve un sens à sa vie à travers la natation après avoir été sévèrement handicapé. Tout ça, ce sont des histoires qui nous appartiennent à tous en commun, mais simplement mon point de vue, c'est le corps. François éteint le réveil, saute illico du lit. Il tend le bras vers la chaise, enfile en grelottant son pull, son jean, lasse ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher, sa caille sec. Il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nine, surgit en rêve. 6 litres de sang très rouge irriguent parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers 100 000 km de vaisseau. Il gratte au carreau des dentelles de glace. Avec sa manche, il fait un rond sur la vitre, scrute le thermomètre extérieur, moins 12. Ça m'intéresse de regarder comment l'être humain, cet être condamné à mourir dès le départ et à subir une somme d'épreuves souvent colossales dont il n'a pas idée pendant toute son existence, plus ou moins selon évidemment les parcours de chacun et l'endroit où on est né, la famille où on a grandi et l'époque aussi qui nous a porté, ça m'émerveille de voir qu'il se tient debout et qu'il choisit la vie dans presque la totalité des cas. Comment est-ce que l'épreuve la plus dingue, en fait, la plus terrible, est pour la plupart d'entre nous une source pour se changer, se transformer, se métamorphoser et continuer à tenir debout, et non pas seulement un écrasement. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la vie, hein. Un truc hyper dur qu'il faut aborder avec beaucoup d'énergie. Le corps est refermé, cousu de bandes de peau de plusieurs couleurs, un patchwork de rose et de rouge. Vous êtes prêt, François ? Bien sûr que non, il n'est pas prêt. Associé du texte, qui j'espère se suffisait à lui-même, hein, qui porte déjà une charge émotionnelle et une narration qui doit se suffire avec d'autres langages artistiques et celui de la musique en particulier, ça a été pour moi vraiment une expérience très belle et j'ai eu envie de la reconduire. J'écris pas un roman pour faire une lecture musicale, mais Je connais bien l'univers du livre maintenant, j'ai été professeure, je suis toujours dans l'idée du partage. Je sais que le livre intimide aussi beaucoup, parce que ça impose de la solitude, la lecture. Alors, il y a des gens qui arrivent à lire au milieu de la foule, hein, mais pour pouvoir se créer ses propres images, pour pouvoir ressusciter cet univers qui doit jaillir du livre, il y a quand même besoin d'une forme de bulle qui demande l'éloignement par rapport aux autres. C'est aussi pour ça, je pense, que les jeunes ont tant de mal à lire, c'est qu'ils aiment être avec les autres. Camille choisit sa tenue pour demain, sa deuxième rentrée des classes de l'année. L'entrée en sixième, c'était déjà une aventure en septembre dernier. Elle commençait à peine à prendre ses marques quand en octobre, sa mère a annoncé « On déménage !» C'est à nous d'aller chercher le lecteur et pas au lecteur de se présenter à nous. La musique, pour ça, est vraiment un moyen formidable. D'abord parce qu'elle saisit vraiment tout le corps, il y a une forme d'immédiateté, d'universalité. Elle touche la chair, le muscle. Ça, c'est un territoire commun qui n'a pas de rapport avec la culture, qui n'a pas de rapport avec l'éducation. Et puis, la musique, c'est une expérience collective. Et ça, j'y tiens énormément. Ce qui me plaît dans l'art et dans la littérature, c'est la manière dont elle nous relie. Encore une fois, même si l'expérience est intime, en littérature, ce que je trouve beau, c'est de se rendre compte qu'on appartient à un univers qui est plus grand que le nôtre, et qu'on peut se raccorder à des histoires qui nous parlent de nous tout en étant en apparence étrangère. La musique, elle a
cette formidable capacité à fédérer tout de suite des gens qui ne se connaissent pas dans des lieux très différents autour d'une histoire qui n'est pas la leur. Et c'est ça que j'aime dans la lecture musicale. C'est pas seulement du son, c'est aussi de l'incarnation. Il y a deux personnes qui sont traversées par l'histoire qu'elles racontent avec deux langages différents qui se tressent ensemble, mais ce sont des corps. Et là, on voit des enfants qui n'ont jamais lu un livre, des personnes âgées qui ne peuvent pas lire, qui vont se retrouver happées par un spectacle, pensant peut-être être là pour la musique, et qui vont se retrouver à partir avec un texte. Alors, je vais vous lire un petit extrait. C'est un moment où François, mon personnage, se rend compte de tout ce qu'il ne pourra plus faire. Donc, il y a une liste d'actions. Et l'idée, c'est que l'instrument soutienne en fait le tempo de cette lecture de manière à ce qu'elle envahisse l'espace et qu'elle soit assez anxiogène. Il ne pourra plus se brosser les dents, boutonner une chemise, se raser, lacer, délacer ses chaussures, enduire un mur, pincer la joue de Sylvia, boire une chope, attraper un ballon. Écrire une lettre, sculpter un bâton, glisser la clé dans la serrure, déplier le journal, rouler une cigarette, décrocher le téléphone, se torcher, payer à la caisse, couper sa viande, se suspendre aux branches, tendre un ticket de métro, applaudir, mimer Elvis à la guitare, danser avec une fille, donner la main à une fille, toucher le ventre d'une fille, le sexe d'une fille, son sexe à lui, se pendre, s'ouvrir les veines, se tirer une balle, même se foutre en l'air, il peut pas. Tang ! Là, il y a la cymbale derrière. Mais tout le long, il y a eu de la percussion qui accompagne vraiment cette montée. Il y a deux fonctions là, la guitare, c'est adoucir le climat extrêmement anxiogène de toutes ces impossibilités, et puis ensuite amener vers une autre étape de la narration qui pourrait paraître un petit peu abrupte s'il n'y avait pas ce temps-là. Pour François, le satin d'une robe, l'aiguille d'une seringue, le grain du papier, le moelleux du coton appellent des gestes impossibles. Le monde est étranger, à 3 cm, pure image. Les choses n'ont ni poids, ni texture, ni consistance, ni température. Tout est cinéma. Il veut presser dans sa paume un quartier d'orange, souple et ferme à la fois. Il se souvient de ce que font des ongles enfoncés dans le zeste, de la peau qu'on arrache du fruit qu'on ouvre en deux avec les pouces, pulpe contre pulpe, décollant les moitiés soudées entre elles et dont la texture élastique rappelle celle d'un jeune sein. Une fois, il appuie longuement sa bouche contre la chair épluchée et fraîche, muqueuse animale sur muqueuse végétale, les yeux fermés pour en retrouver la douceur tactile. Et là, pendant 2 minutes, c'est la guitare qui joue seule, avec l'idée de restituer ce moelleux, cette douceur-là, pour que l'image de l'orange prenne la place virtuellement dans l'espace scénique. Je ne suis pas sûre que j'écrirais si j'étais vouée à une solitude totale. C'est-à-dire que si on me disait « tu n'écris que chez toi, tu ne peux pas être dans ce moment où quelque part un récit s'organise autour de rencontres et de mouvements en fait. Parce que la préparation d'un roman, pour moi, ça peut être un an de recherche. Quand je dis recherche, c'est pas de la recherche documentaire, hein, c'est aussi aller voir des gens, aller voir des terrains, comme on prépare peut-être un tournage de cinéma, je sais pas. S'il n'y avait pas ce moment-là qui fait que mon livre est déjà dans le collectif, même quand je l'écris. Il investit déjà tout ça. Et puis, ce partage qui suit, je pense que mon plaisir et le sens, en fait, même de mon métier, s'amoindrirait de moitié, ou peut-être des trois quarts. Donc, oui, pour moi, le texte est presque un... J'ai du bonheur à écrire, mais le texte est un prétexte aussi, à autre chose, à plus que le texte.